Là, c'est bon, là, quand je te dépose là, tu sors directement. Tu vois, les jours comme ça, la journée passe, l'air passe vite. Ouais, hein. Sérieusement. Hein? Sérieusement. Et le temps passe vite. Hein. Ouais. Tu vois, il est 22h, il fait encore jour. 23h minuit. Voilà. Non, ça va vite. Hein. Si tu te rends pas compte, tu perds le feeling. Ouais. Parce que là, à 20h, c'est comme s'il faisait 18h. Effectivement. Tu vois, 21h, 22h, il fait encore jour. Comment allez-vous? Tu vois, donc quand il fait jour comme ça, là, ce qui fait que le temps de réveil, le temps de Ça passe. Comment allez-vous? Le grand rabat. J'ai fait un petit direct là. J'ai mon ami Thomas, comme d'habitude. Ouais. Là, je vais le déposer chez lui là. Allez, je vous salue, bonne soirée. Attendez, ne quittez pas. Voici mon ami. Bonne soirée, je vous salue, bonne soirée. C'est moi Thomas. Voilà. Bonne soirée, je vous salue, bonne soirée. Voilà. Je suis avec mon ami Thomas. Je suis en train de l'accompagner. C'est un frère qui est très bien. Voilà. Faut pas regarder avec tes yeux. Faut regarder. Comment dirais-je? En cachet, regarder comme tu fais là. Faut pas regarder tes yeux. Faut mettre les yeux. Comme Vaouan. C'est pas Vaouan. Faut pas regarder les yeux. Faut pas comment tu vois. Quand je... Faut pas mettre tes yeux. Il y a percé, mais aigu dedans. Vous savez, vous savez, j'aime Thomas et moi, on reste ensemble en cause et après je le dépose avant de rentrer chez moi. Tout à l'heure, vous savez que je suis quelqu'un de très intelligent. J'ai fait une publication où je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les soldats de Barkhane, de l'ONU, tout ça là, on ne les envoie pas, comment dirais-je, en Libye. La question, elle doit être posée. Pourquoi elle doit être posée? Parce que Thomas, écoute bien, n'est-ce pas, mon développement. Ouais, je t'écoute, vas-y. Voilà. La Libye, il y a eu une intervention de l'ONU, de Sarkozy. Voilà. En 2011 ou 2012, si je ne me trompe pas, de Sarkozy. Après la mort de Kadhafi. Voilà. Non, c'est qui a causé la mort de Kadhafi. Ouais, ouais. Et donc, en Libye, ils sont intervenus pour dire non, ils vont imposer la démocratie. Voilà. Merci beaucoup, on va bloquer ça. Ouais, avec. Toi, tu es où avec tes yeux que tu mets là? Comme Vaouan, il n'y a pas Vaouan. Celle-là. Bon, on y va. Donc, il y a eu une intervention de la France, dirigée par Sarkozy à l'époque, qui dit ils vont imposer, ils vont exporter, instaurer la démocratie en Libye. Voilà. Ok. Ils sont intervenus en Libye, ils ont tué Kadhafi, et après avoir tué Kadhafi, normalement, ils ont mis les CNT. Les CNT qui étaient basés à Benghazi. Et Sarkozy est parti à Benghazi avec le philosophe Bernard Henri Lévy. Voilà. Et donc, normalement, la démocratie qui était promise par Sarkozy, après avoir tué, Kadhafi, devait être là aujourd'hui en Libye. Voilà. Ok. Par contre, depuis que Kadhafi a été tué, mais il n'y a jamais eu d'élection en Libye. C'est maintenant 11 ans. Il n'y a pas eu d'élection en Libye. Non, pas du tout. Depuis 11 ans, il n'y a pas eu d'élection en Libye. On comprend. Ni municipale, législative ou présidentielle. Voilà. Même les représentants de l'ONU, actuellement, qui doivent être déployés en Libye, Abouleh Batili, a été récusé. L'ambassadeur des États-Unis en Libye a été tué. Bon, moi je vais savoir. Parce que après cela, les groupes armés terroristes aujourd'hui ont eu, n'est-ce pas, des armes. D'où aujourd'hui l'insécurité au Niger, l'insécurité au Bénin, au Togo et au Mali. Voilà. Mais le premier pays qui a payé le plus fort, c'est le Mali. Parce que les djihadistes terroristes voulaient prendre le Mali comme étant un sanctuaire. Voilà. Parce qu'ils étaient maintenant armés. Bon, d'où l'intervention de la France à la demande du président d'alors, Diakouna Traoré, en demandant à François Hollande d'intervenir
pour stopper l'avancée des terroristes. Maintenant, moi, je veux savoir, le Mali est en insécurité. C'est dû à quoi? Moi, je veux juste savoir, c'est dû à quoi? Est-ce qu'avant l'intervention de la France, de Sarkozy et de l'OTAN en Libye, est-ce qu'il y avait ça? Primo. Désio, Thomas. Ouais. Maintenant, les forces qu'on envoie au Mali, là, pour aller sécuriser, là, on envoie Barkhane, on envoie Takuba, G5 Sahel, on envoie l'ONU, on envoie tout le monde là-bas. Mais pourquoi ces forces-là, on pouvait les déployer en Libye? Puisque le mal vient de la Libye. Voilà. Pourquoi? Le mal vient de la Libye. Ben c'est là-bas que les terroristes quittent. Voilà. C'est là-bas qu'ils sont armés. Amen. Pourquoi ne pas envoyer l'OTAN, la force africaine, antiterroriste, Barkhane, tout ça là-bas en Libye pour aller contrer la montée en puissance des terroristes? Voilà. J'ai posé une question. Et donc, je pense que la question, elle a lieu d'être posée. Et donc, il faudra que les intellectuels africains et les donneurs de leçons en Côte d'Ivoire, parce que je pose la question, je vois que ce que c'est la mode encore, c'est encore les militants de Ouattara, puisque je pose une question scientifique en disant que pourquoi les forces françaises qui sont déployées en Libye, au Mali, les forces africaines, l'ONU, tout ça là, Barkhane, Takuba, pourquoi ne pas les déployer, n'est-ce pas, en Libye? D'où viennent, quel est le nid du terrorisme? C'est simple. C'est une question que j'ai posée. Donc je veux que l'on puisse me répondre. Pourquoi? Voilà, pourquoi on ne peut pas déployer les forces là-bas, les forces de Barkhane, de Takuba en Libye? Parce que je pense que en Libye, là, s'ils sont là-bas, ils pourront juguler, n'est-ce pas, ils pourront ne pas compter les terroristes. Mais je pense qu'il y a un problème. Je vais vous expliquer. Il y a un problème. Il n'y a aucun pays francophone, arabe, où se trouve une force française. Je reprends. Il n'y a aucun pays francophone, arabe, voilà, où se trouve une force française. Il n'y en a pas en Tunisie. Mais pourquoi? Il n'y en a pas au Maroc. Il n'y en a pas des pays en Afrique, hein, de pas d'Afrique. Ouais. Tu vas en Égypte, il n'y a pas l'armée française. Tu vas en Algérie, il n'y a pas l'armée française. En Libye. Tu vas en Tunisie, il n'y a pas l'armée française. Mais ils sont seulement que des pays francophones. Non, on ne comprend pas pourquoi. Il y a un problème. Mais qu'ils aillent en Libye, parce que c'est là-bas qu'ils ont voulu porter la démocratie. Donc c'était juste un petit direct pour expliquer ma pensée. Mais souvent on cause comme ça et puis ça vient tout seul. Ouais. Et puis on dit ça, on dit va où, c'est rentré. Donc moi je leur demande de vraiment d'aller apporter la sécurité en Libye. Parce que en jugulant, n'est-ce pas, l'insécurité en Libye, je pense que les pays qui sont aujourd'hui frontaliers de la Libye, et c'est le même qui est déjà sous les assauts des terroristes, c'est le Mali. Voilà pourquoi j'ai cité le Mali. Parce que le Mali n'a rien demandé. Le Mali n'a pas demandé à Sarkozy d'aller attaquer et tuer Kadhafi. Et donc un Africain réfléchi doit penser que jamais de la vie l'on peut accabler les Maliens. Les Maliens sont héritiers de l'interventionnisme de l'OTAN et de la France en Libye. Et donc nous soutenons le Mali. Nous sommes conscients. Nous sommes une génération consciente. Nous sommes intelligents. On ne nous dicte pas. Voilà, quand on s'assoit, on réfléchit là. S'assoit et puis on va vous dire. Voilà. Le Mali est hérité aujourd'hui de l'insécurité qui est aujourd'hui en Libye. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a même pas de sécurité en Libye? Pourquoi? C'est important bloquer ça. Voici un mouton. Quand tu es en France et tu parles de la France, quand tu n'as rien compris encore, tu es un nègre des maisons. Des maisons, pardon. Bon, tout bon, non? Ouais. T'as caché dedans? Ouais. Non, ici. Ok. Bon. Allez, maintenant. Ouais. Merci, bonne soirée. Ouais, n'oublie pas. Ok. Voilà. À tout à l'heure. Ouais, merci beaucoup. Merci. Tant que tu n'as rien compris que sous le de Paris, tu es en France. Mais attends. Quand les Français sont allés chercher tes aïeux pour venir combattre ici, pour aller combattre à Dien Bien Phu, pour aller faire la guerre d'Indochine, tu étais où? Les Français ne savaient pas tes aïeux.
Les Français ont été chassés en Algérie. Oui. Parce que pour atteindre un Africain, il faut utiliser un autre Africain. Et donc, toi, tu es un Africain, n'est-ce pas? Tu es un nègre de maison. Pour tuer Sankara, il fallait prendre Thomas Sankara, il fallait prendre Blaise Compaoré. Pour tuer, comment dire, Oumoumié, l'opposition au Cameroun, il fallait prendre, n'est-ce pas, Amadou Ahidjo. Pour tuer Jiki Olympio, il fallait prendre, n'est-ce pas, Yadema. C'est important. Parce que c'est vous les nègres de maison. Parce que il faut utiliser les nègres pour tuer les nègres. Parce que les blancs ne viennent pas tuer les Africains comme ça. Hein. Il faut des panthères comme toi pour aujourd'hui pour mettre les Ivoiriens en couple réglé en Côte d'Ivoire, il faut utiliser Alassane Ouattara. L'hégémonie de la France est entretenue n'est pas par les Africains. L'hégémonie, n'est-ce pas, impérialiste est entretenue par nous, les Africains. Parce que la France ici, même le courant, ici, à travers, comment dirais-je, NJ, mais ça vient de Areva. Areva, ça veut dire, il parle de quoi, l'uranium ou l'uranium et tout ça où. Il prend ça, comment dirais-je, au Niger. Mais l'histoire même, vous voyez des gens, quand la France se redéploie, comment dirais-je, au Niger, ils pensent que c'est parce qu'ils aiment le Niger. Non, c'est parce qu'il y a des entreprises françaises là-bas, qu'on appelle Areva, où ils puissent l'uranium. Bon, toi, tu es un nègre de maison, tu peux comprendre. C'est trop fort pour toi. C'est trop fort pour toi. C'est trop fort. Nous sommes en plein danger politique que pour nous départir, n'est-ce pas, des impérialistes, on a besoin de travail. D'où j'ai aimé le discours de Ousmane Sonko hier. Ousmane Sonko a dit que nous sommes à 18 mois de l'élection présidentielle au Sénégal. Mais que les Africains gardent ce discours. Parce qu'il peut être comme Lumumba, il peut être comme Moumié, il peut être comme Sankara. Parce que les impérialistes feront tout pour pouvoir le tuer. Il a dit hier, dans son discours, il a dit, le jeune qu'on appelle Ousmane Sonko, parce qu'ils sont déjà à cheval, ils traitent avec des gens, des Africains qui sont proches de nous pour nous tuer. C'est important. Et donc, ta question ne m'étonne pas. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas, c'est frère. Il faut te réveiller. Sors de ton coma éthylique. Ton coma politique, là. Il faut le comprendre. Et quand les gens disent que nous sommes en France, mais les Français, là, pour se débarrasser des nazis, se sont réfugiés en Angleterre. Le général de Gaulle, pour se débarrasser, n'est-ce pas, des nazis et des régimes de d'Hitler, s'est réfugié en Angleterre. Et c'est de là-bas, sur la radio qu'on appelle BBC, il a fait un appel aux Français de résistance. Donc la France a eu besoin également des autres pour se défaire du régime autocratique de Hitler. Donc également ton mentor Alassane Ouattara, le bouclier de Saint-Doux. Il était ici en France. C'est ici qu'il était. C'est ici qu'il est toujours. Même maintenant, il est ici en France. C'est ici Alassane Ouattara est. Et celui-ci, il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. C'est d'ici en France que Ouattara a fait la déstabilisation, a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit qu'on a le peuple français n'a rien à voir dedans. Il y a des politiques. Dieu merci. En France ici, il y a les politiques français qui dénoncent la politique de la France. Le président Chirac a dénoncé la politique de la France en Afrique en disant que l'argent que la France a, les réserves, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, est issu du pillage de l'Afrique. Mais toi, tu es un nègre, un Africain, et tu refuses de le comprendre. Même ici en France, là, des Français dénoncent. Même ici en France, les Français même dénoncent. On n'a pas de problème avec la France. On a un problème avec la politique de certains politiciens français en Afrique. C'est tout. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ici en France, rentre en Afrique. Mais quel combat on peut faire en Afrique? Quel combat? Mais si De Gaulle voulait faire un combat pour la France,
contre les Allemands. Mais pourquoi la fille pour aller se réfugier en Angleterre? Mais il fallait qu'il reste en France pour faire le combat. Mais il allait, n'est-ce pas, en Angleterre pour faire le combat. Et ici, on est en France, là. Nos ancêtres ont tout donné à la France. La France a été construite par nos ancêtres. Comme tu es con, tu ne connais pas ton histoire, c'est bon? Sinon, la France a été bâtie par le sang, l'esclavage de tes ancêtres. Mais comme tu ne connais pas, ou bien tu fais semblant de ne pas connaître, ou bien c'est parce que tu es dans un service moutonnier, sinon, cher frère, cher abruti, le combat que nous menons, c'est un combat qui est impersonnel. C'est un combat qui n'est pas un combat pour dire non, tu es pro-Soro. Non. Dis-moi, est-ce que ton pays, la Côte d'Ivoire, est indépendant? Est-ce que ton pays, le Gabon, est indépendant? Est-ce que ton pays, le Togo, est indépendant? Est-ce que ton pays, le Bénin, est indépendant? Est-ce que ton pays, comment dirais-je, le Mali, est indépendant? Non. C'est parce que le Mali a vu que il était, n'est-ce pas, sous domination, qu'il avait de pas s'affranchir. Alors il faut saluer les Maliens. Parce que les Maliens ont tout compris. Là où vous les abrutis, là, vous n'avez pas compris. Les Maliens ont compris que pour un esclave qui refuse de dénoncer sa situation, mais cet esclave-là, il faut laisser le pas à son sort. Mais les Maliens ont compris. Mais notre devise, notre café de Côte d'Ivoire, notre cacao, pour les vendre là, c'est la France. L'argent là passe par la Banque de France. Notre cacao là, on dit notre premier producteur de cacao, de café là. Mais l'argent là, ça passe par la Banque de France. Et de la Banque de France là, la France coupe n'est pas son intérêt. Les Algériens utilisaient les francs CFA. Va réfléchir. L'Algérie utilisait les francs CFA. Mais ils ont chassé les Français de chez eux. Et actuellement, ils sont respectés. Et chez eux, ils parlent le français. Mais c'est nous, la peau noire, là. On n'a absolument rien compris. On n'a rien compris. C'est nous, les pays francophones. On n'a absolument rien compris. Surtout les pays francophones. On n'a rien compris. Il y a toujours des personnes qui sont à l'intérieur, comme les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, les, comment dirais-je, et autres là, qu'on manipule à souhait, les Macky Sall. Et voici les suppôts qui sont là. Bon, quand même tu peux écrire ici là, tu vois, t'es tellement idiot, j'ai pas de maison, mais... est-ce qu'on doit répondre à quoi à ça encore? Est-ce qu'on doit répondre à ça encore? Vous voyez comment c'est con? On fait vidéo spontanée en route pour rentrer chez soi. On dit non, tu n'as pas de maison. On fait vidéo à la maison. On dit non, tu fais pas vidéo. Mais finalement, vous... Eh, Adama, est-ce qu'on va s'en sortir avec cela? Hein? Les militants. Ils sont restés chez moi à la maison. Mais quand ils font vidéo, tout le temps chez moi, tu n'es pas là. Même hier, ils ont fait vidéo chez moi. Tu étais où? Avant qu'ils aient fait vidéo chez moi, tu étais où? Bon, là, maintenant, ils sont restés chez moi à la maison. Tu poses la question de savoir que si je n'ai pas de maison. Bon, toi-même, tes collègues moutons là, ils vont me mettre t'es con, hein? Parce qu'on ne va pas faire vidéo chez lui à la maison. Comme toi, attends, je vais te montrer ta photo. Je vais t'exposer un peu. Comme tu t'appelles Snowboy, ok. On va t'exposer un peu. Hey. Attends, on peut faire ça. Que toi, tu vas de maison. Hey. Tellement que. C'est-à-dire que des gens même qui lisent le courrier dans l'enveloppe. C'est la personne, c'est-à-dire que tellement que on leur a dit, sous les paris là, il n'a pas de maison, il donne la voiture. Mais moi j'ai une voiture, dans ta vélo.
Non, vraiment. Attends, je suis dans un endroit dangereux. Je vais essayer de me concentrer avant de quitter le virage et je vais répondre. Tellement que vous ne cessez même pas à comprendre, même quand ils viennent. Et puis ils ont un problème. Hein. Aya, quand ils viennent ici là, ils mettent quoi? Ils ont un problème. Ta mère con, imbécile, bâtard. C'est-à-dire que eux là, ils ont tellement des idées. C'est-à-dire que quand ils vont écouter une vidéo de leurs moutons là, ils ont. Ceux de Paris n'ont pas de. Adama, moi un million de garçons comme ça là, hein, il y a demi dehors en France. Ah Joe, même si j'ai pas de maison en France, moi, quand même tu me regardes comme ça là. Même dans Gigoloya là, toi et tes bas. C'est-à-dire que même si moi je suis rien en France, je suis assis à la maison. Et puis comme à travailler là, moi je suis assis là. Dans ça et tes bas. Oui, mais je m'en sors comme ça là. Si elle veut être gigolo, si elle veut être gigolo, merci. Si elle veut être gigolo là, il me sort à la maison. Parce qu'il y a une femme ici à Paris, là, en France et partout là, qui veut que même sous le vieux t'assois, viens chez moi à la maison. Tu me mousses et puis on dort. Et puis on fait les enfants. C'est tout. Et puis elles ont l'argent, elles ont tout. Elles ont grande maison ici à Paris. Ah, mon bébé chou, je t'aime beaucoup. Non, c'est le cœur. Voilà. Donc comme je ne suis pas gigolo, je ne tombe pas dans ça. Tu n'as pas donné mon nom, tu n'as pas de gigolotisme. Comme un million de garçons comme moi. Et les gars comme moi. Tu as parlé que... Ici à Paris, là, il y a des hommes là. Ils sont logés, nourris, blanchis. Au nom, n'est-ce pas, de leur travail, de leur bandage, au nom de leur beauté. Mais moi, Dieu m'a tout donné, à tous les niveaux, et puis il bande très bien. Donc, pourquoi il y a chômé? Si j'étais un gigolo, j'allais faire le travail propre. J'allais avoir les derniers kits de voiture, les 4x4. Papa dans 6 avions. J'allais Mougou en Italie, Mougou aux États-Unis, au Canada, partout. Ça donne quoi ça là? Non, non, non. Je suis pas dans ça. Donc va chercher ailleurs. Attends de monter ta page là. Je suis sur le tunnel. Hein. Donc j'espère que ça va se couper. On va l'exposer un peu rapidement, puis on va couper. Il s'appelle Snowboy. Snowboy. Voici un voyou au Snowboy. Batraden. Snowboy. Snowboy de quoi? IB. On va te trouver IB. IB quoi? IBM. SN. Ça, c'est le nom de quelqu'un. Hein? Et alors, Camara. Donc, ton père, quand il t'a mis au monde, là, il t'a mis Snowboy. IBSN. Dangato. Camara. Eh, vraiment de Dieu. Il y a trop de partages sur Facebook. Ah, je t'ai trouvé, c'est bon. On va sortir un peu. Voilà, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé, j'arrive. On va sortir. Go Snowboy. Aïe. Dangato. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. On va aller payer notre chambre de toile. On va dormir. Puisqu'on dit qu'on est clochard. Maudit là. C'est vous qui parlez beaucoup. C'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. C'est les tonneaux vides là qui font beaucoup de bruit. Sinon, on ne parle pas trop. Non, non, on réalise en bas. Et puis on ne parle pas trop. C'est ceux qui n'ont absolument rien qui dit j'ai maison, j'ai temps, les vantards. Moi, je ne suis pas vantard. Moi, je n'ai rien. Voilà. Et moi, je suis rien. Je suis un enfant de pauvre. Voilà. C'est tout. C'est ceux qui n'ont rien là qui parlent beaucoup. J'ai pavillon, j'ai temps. Celui qui a quelque chose ne parle pas. Même les milliardaires qu'on appelle Eugène Most ou quoi là. Mais ils ne parlent pas. Bill Gates là, quand il s'habille là, quand on voit, c'est chaussures banabana qu'il porte. Chaussures banabana.
Quand tu vois le boss de Facebook, Mark Zuckerberg, mais tu le vois, c'est Barabara, il n'est pas dans Versace, Gucci. C'est les pauvres là comme toi là, qui parlent beaucoup. Comme maison. Idiot. Tu n'as rien compris encore. C'est les pauvres là qui parlent beaucoup. On a l'argent. On est comme si. J'ai tant. J'ai quatre villas. Il est comme si. Mais les milliards, ils ne parlent pas. Sinon, l'homme le plus riche du monde là, au monde là. Bill Gates là, son argent là, il a fait don. Toutes les années là. Hein? Il fait don aux associations. Il fait du bien. Parce que l'argent pour lui n'a pas de valeur. Ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. Il est désintéressé. Je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un de désintéressé. Les matériels, quand j'ai ça, je partage. Voilà, c'est important. Ceux qui aiment exposer leur vie, j'ai maison, j'ai pavillon, j'ai tant là. Moi, je ne suis pas déjà mon papa. Moi, je suis tellement pauvre. Voilà, je vais te montrer un peu ici là. Tu es un star. Tu t'appelles Snowboy. IB. IBMSN. Donc, t'as mis IB. MSN. Camara. Ok. Je vais d'abord voir ta page Facebook. Voilà. Ta page Facebook. Voilà. Quelle est pas ta mentalité? Comment tu tes approches? Et vois ta photo. Pour voir est-ce que l'individu mérite une réponse. Ok. Je vais te regarder. Oh purée, c'est quoi ça? Mince. Ah, Adama. Mais vous là-haut, avant de venir me commenter là, est-ce que vous ne me voyez pas d'abord? Parce que j'ai l'impression que vous foutez de moi. Quand toi tu me regardes d'abord et tu viens commenter ma page, c'est-à-dire que c'est une insulte quoi, c'est une insulte. Souvent j'ai l'impression que vraiment je... Non, c'est une insulte. Parce que quand je te regarde, tu viens me commenter ma page Facebook. Mais je te comprends. Tu sais, dans une ville, tu peux avoir un voisin qui est vigile, puisque c'est ce qui est à la mode. Ou bien qui est charpentier, l'autre est coiffeur. Mais le chômeur, là, lui pense qu'il est le plus beau du village, le plus bon du village. C'est-à-dire que toi, quand je te regarde, et d'abord de un, je vois comment tu viens me poser des questions. C'est-à-dire que même ma voiture, là, si tu demandes de t'asseoir, ne t'as pas vouloir. C'est-à-dire, ma simple voiture, là, je te dis, assieds-toi, tu te dis, ah, mon vieux, je peux m'asseoir. Tu n'as pas vouloir. D'abord, de un, l'intérieur ici, très propre. De un. Et à chaque fois que tu me regardes, là, tu vois que j'ai bien différemment, non? Et puis j'ai marié les couleurs, non? C'est comme ça que je suis. Du 1er au 31. Mais j'aime la propreté. Et moi, là, ceux avec lesquels je marche, là, moi, j'ai quelqu'un d'espace de très... J'aime la propreté de quelqu'un. Même quand je contacte quelqu'un, la propreté d'abord. C'est important d'abord. Et donc, même m'approcher, je ne t'ai pas vouloir. Et je ne suis pas gonflé, mais... Je me préfère. Donc, quand moi je te regarde, toi, si toi-même tu me vois dans la rue, me tendre la main, tu vas pas vouloir me saluer. Tu auras peur. Parce que demain que je me mets en évidence là, avec humilité, tu auras peur de me saluer. Et donc, c'est toi, un cafard comme ça, tu viens sur ma page. Et tu me poses la question, ma maison. Ah, Gina, tu es fort, hein? Attends, moi, te montrer. Regarde ici, là. Regarde ici. Tu vois? Regarde ici, là. Quand toi-même, tu te regardes, est-ce que tu es bien nourri? Hein? Moi, là, j'ai mes oiseaux à la maison. Les canaris, ils sont chez moi à la maison. Des oiseaux chez moi à la maison. Ils sont bien nourris plus que toi. Mais quand ils te voient, moi j'ai des oiseaux chez moi à la maison. Des oiseaux chez moi à la maison. Qu'on appelle les canaris. Mais ils sont bien nourris que toi. Mais mes oiseaux là,
J'ai fait des courses pour qu'ils mangent. Et puis ils prennent les baies. Ils sont là propres. Mais comment je te regarde là? Même mes oisillons qui sont à la maison là, ils sont propres que toi. Et toi, tu me poses une question de maison. Même mes oiseaux sont pas à la maison, ils mangent. Et toi? C'est-à-dire que la nourriture que moi et toi, mes oiseaux, chez moi à la maison là, je prends et te nourris avec ça par moi. Mais ils sont bien gâtés. Je les paye, n'est-ce pas, les sangrales de nourriture. Je les cajole comme mes bébés. Mais moi, j'aime beaucoup les enfants. J'ai la pitié dans mon cœur. Et toi, qui es mal nourri, tant que tu es mal nourri, tu me poses la question à moi, ma maison. Mais souvent, soit je suis handicapé, soit je ne bande pas, soit je n'ai pas de maison, ou bien soit je suis sous l'art. C'est-à-dire que pour vous, là, il n'y a pas de qualificatif joli. Soulé, c'est un bandit, c'est un voleur, il n'a pas de maison. Tu vois, vous avez tout pour me qualifier. Tout ça, c'est votre communication pour me briser. Mais vous avez affaire à une grosse tête. La tête là que vous voyez là. Bimoui, ATC. Donc voilà, on va te qualifier un peu. Tu vois, voici quelqu'un qui n'arrive même pas à manger à sa faim. Tu vois tes os là? Voilà. Tu n'arrives même pas à manger à ta faim. Mes oiseaux qui sont à la maison, hein, étoiles, Sarah et autres là, ils sont bien nourris que toi. Ils vivent bien que toi. Parce que eux là, la nourriture, ils sont gâtés. Donc je pense que si toi tu viens chez moi à la maison, dans ma cuisine là, tu as même volé la nourriture pour manger. Puisque tu es un affamé. Hein? Dans gâteau. Parce que j'ai des paquets de nourriture qui sont là. J'ai des paquets de nourriture qui sont posés là-bas. Donc j'imagine bien, si toi tu rentres chez moi, tu vas voler la nourriture de mes oiseaux. Et Sarah va commencer à pleurer parce que toi tu es un bandit. Mais t'as faim. Parce qu'elle là, quand je rentre là, elle est toute blanche comme ça. Elle regarde bien. Quand tu dis que c'est son bon plan là, elle est tranquille. Tu m'appelles à l'école. Donc, c'est un amour à vie, Chantal Kamara. Comment tu vas, Aya? Soraya qui me dit quoi? Donc, si tu as un moment, je te mets chez moi à la maison. Mais tu as fini mais, la nourriture n'est pas de Sarah ou bien d'étoile. Tu as fini la nourriture et toi, tu vas commencer à pleurer parce qu'il y a un bandit qui est rentré à la maison. Les maïs, les nourritures, tu as tout prendre. Tu es un affamé. Hein? Donc, les gars, on va pas durer dans mauvais rêve, on va rentrer à la maison. Puisque demain, nous avons. Je pense que demain, tu dois effectuer un déplacement. Si jamais c'est acté, vous n'allez pas me voir pendant 2 jours. Mais si jamais je décide de reporter, puisque vous savez très bien que je n'ai pas eu de vacances. Parce que là où je parle là, il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances actuellement. Ils profitent de leur vie. Et ils m'ont oublié, ils sont partis, ils m'ont laissé comme ça sans vacances. Donc moi aussi également, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos. Et donc si demain, j'ai un coup de tête, pendant une semaine, vous ne me verrez pas. Vous allez me chercher avec torche. Voilà, pendant une semaine. Parce que Soit je vais lancer mes vacances la semaine, le week-end ou bien le week-end ou bien on va laisser pour le mois de décembre ou octobre ou novembre. Mais par contre, j'ai aussi besoin de me reposer aussi également. Il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont aux États-Unis, et ils font les selfies, on voit tout. Et nous on est à Paris. On va pas garder le pays pour vous. Vous partez, vous sortez, nous on va faire quoi ici? Nous on va sortir. Voilà. Et vous êtes là-bas, vous me regardez. Moi, j'ai bien ressorti. Attends, vous allez laisser qui? Vous allez confier le pays à qui? Donc, vous allez confier Paris à moi. Vous partez en vacances, vous allez voir les photos. C'est qui ça encore là, dis donc? C'est qui là qui dit plaisanter là? Donnez-moi ça, bloquer ça. Imbécile là. Voilà, bloquer ça. Merci. Vous partez, vous sortez du pays.
Et à distance, comme il y a Facebook, il y a qui aimerait bloquer ça là? Il y a un imbécile qui est là, s'il vous plaît, c'est qui ça? Voilà, merci beaucoup. Bloqué. Voilà, Drissa, au revoir. Il ne verra plus jamais mes vidéos. Dangato, allez bloquer ça, Drissa. Il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont en Angleterre, il y en a qui sont aux États-Unis. Et ils font les selfies, je vois tout dans leur story là. Hein? Et non, moi je suis à Paris. Ah, vous pensez que moi je vais rester ici pour faire les vidéos et puis après on me manque de respect? Ah non. À bientôt, moi j'ai fui mon frère. Donc si vous voyez un jour, deux jours sans publication, c'est que j'ai pris la tangente. J'allais me coucher et comment dirais-je, soit en Italie. En Italie tranquillement à Bergamo, ou bien je vais au Canada, ou bien je vais à Valencia, en Espagne, ou bien je vais tranquillement, en Suisse, à Lausanne tranquillement, j'allais me coucher là-bas avec les montagnes, voilà tranquillement. Mais voilà, il faut que je sorte. Vous allez partir, vous couchez tranquillement, et c'est moi je vais surveiller le pays pour vous. Vous vous trompez. Hein. Moi-même. Assez, vous allez voir. La rentrée scolaire, c'est bientôt. C'est la semaine prochaine. Je n'ai pas quand même tapé les vacances ici tranquillement. Pendant que vous êtes en train de manger les petits ponts, les siropés, les petits. Comment dirais-je, les petits jus. Hein, au soleil. Et en mangeant du tartare, les entrecôtes. Et vous faites le bilan. Sous les coucous, comment tu vas? Ah non, ça ne marche pas, mon frère. Adama. Non. On a fait vacances ensemble. Mais quand moi je suis pas là, sur les tabagés, hein, comme si moi j'étais resté pour suivre pour vous. Aïe! Mais et puis j'ai remarqué ça. Hein. Attends. Quand moi je voyais un peu, ah t'as voyagé. Mais tu viens quand? Mais attends, quand vous voyez. Ah non. Mais vous aussi, hein, vous n'avez pas sur les paris. Hein. Aïe! Vous voyagez. Mais comment je vais un peu, mais je fais aller le tout là. Mais Dieu, t'es parti, tu reviens quand? C'est-à-dire que je suis là-bas, je fais direct pour dire que bon, je suis un peu en déplacement. Mais tu viens quand? Ah, mais attends, les deux vont nous manquer. Ah, vraiment, je ne me réponds pas aussi. Hein. Vous voulez que toujours, vous voyez, on m'insulte tous les jours, on dit non, tu fais vidéo dans la voiture. Hein? Parce que j'ai pris l'habitude de faire la vidéo dans la voiture. Donc, pour certains, quand ils reviennent après avoir fait un mois sans connexion. Ils vont dans la voiture, non, sous le Paris, il y a tout dans la voiture. Vous voyez? Donc il faut que souvent je suis couché comme ça, dans ma chambre d'hôtel, 5 étoiles que j'ai louée. Je suis dedans tranquillement, il fait mes directs dedans tranquille. Je suis à la plage, tranquille. Hein? Mais vous-même là, que j'ai un ami là, vraiment de Dieu. Attends, je vais essayer de créer. J'ai un ami là, il me dit, mais Joe, j'étais parti en Espagne le 12 du mois passé là, j'étais en Espagne. J'ai fait un aller de tout là. J'ai un ami qui me dit, ah, mais saoulé. Je lui ai dit, mais tu viens quand? Mais pourquoi? Mais tes dieux vont nous manquer. Hein? Ah, champion. Toi, tu es en Angleterre. Toi, tu voyages. Hein? Et moi, j'ai dit que je sors même là, je ne vais pas loin. Je suis en Europe. Je vais seulement en Italie, en Suisse, en Angleterre ou bien en Espagne. Il faut que je sois là tous les jours sur ma page Facebook. Donc, j'ai dit que je suis votre employé sans salaire. Donc moi je suis assis dans toutes les nouvelles du pays. Mais dis donc. Donc moi je n'ai pas bougé. Donc sous le départ est là. Et je dois être là scotché. Hein, pitié de moi. Hein, pitié de moi un jour. Ou bien. Merci beaucoup Fatim. J'essaie de les bloquer là. Vous aussi. Les Dibos de gueule là. Hein? Le WhatsApp Koulibaly là, vous voulez pas pitié de moi? Mais sur le type, t'es parti où? Aïe! Mais dis donc, laissez-moi au moins aussi voyager un peu. Non, ça là, je vous dis que je suis en train de réfléchir pour fuir. J'ai fui. Mais c'est vacances. J'ai besoin de souffler un peu. Il y en a qui sont en Belgique. J'ai causé tout à l'heure avec Tatiana et son mari. Et il me dit qu'ils sont battus en Suède. Ah. Elvige, hier, je l'ai eu au téléphone. Non, on va voyager. On va aller au sud du Canada.
aussi une case de quoi. Non, on revient à la fin de à la fin de la semaine prochaine. Eh? Adama. Et puis quand on est là-bas, on envoie les selfies à ceux de Paris. Les stories. Donc moi, je suis couché là. Moi, je suis couché. Moi, je suis à Paris. Et je vois dans les stories là. Ils sont dans, en train de faire la Java. Dans les TikTok. Hein, ils font les TikTok. Et puis, ils envoient. Et donc, moi, ils m'ont confié Paris. Donc, moi, je suis venu à Paris. Pendant qu'ils sont en vacances, je leur donne la nouvelle. Non, vraiment. Vous ne m'aimez pas. C'est pour ça que vous faites ça. Sinon, quand on aime celui de Paris, là. Attends, je sais quoi. Quand on aime celui de Paris, on va lui dire, ben, Joe, c'est comment? On voyait ensemble, non? Non, non, non. Mais elle voyait seule. Et puis, elle m'envoie une photo. Comme si on veut me narguer. Et puis, on dit, il faut laisser à Paris. Il faut surveiller Paris pour nous. Ah bon, hein? J'attends. Mon billet première classe, je m'en vais. Voilà. J'ai des relations. Moi, j'ai des relations. Mon billet première classe arrive là. Je m'en vais. Tranquillement. Attends, ils vont à Paris. C'est-à-dire qu'ils ont les foutaises, hein. Ils sont à Paris. Ils voyagent. Ils vont en Allemagne partout. Et puis bon. Et puis de là-bas, ils m'envoient les photos. Putain, merde. Ah bon? Donc, c'est moi, je vais. Attends. Je cherche. Je sais pas si j'ai pas le bout là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est moi le gardien du temple. C'est moi, je vais à la France pour eux. Sur le de Paris. Il y a quelle nouvelle? Eh, hey, Dina. Hey, bon. Vous allez me trouver ici là. Je vous attends. Vous partez vous amuser tranquillement. Fatou Doucouré. Comment tu vas? KGB, mais c'est vrai. KGB, c'est vrai. Hein? Il faut que je réfléchisse, mais je vais te voir là-bas. Hein. Je suis tranquille. Voilà, tu dis là-bas tranquillement au Boeing que j'arrive bientôt. Voilà, et puis je suis couché tranquillement là-bas, tranquille, au State. Et puis on fait tranquillement la vie. Mais c'est une foutaise. Elles sont couchées. Je les vois. Elles sont couchées partout. Ils font la vie. Et moi, je suis là. Et puis ils se promènent. Quand ils prennent avion, ils m'envoient un message. Je voyage et je reviens. Ah, donc c'est moi qui suis venu le Paris pour toi. Donc, c'est-à-dire que quand ils voyagent là, ils envoient un message. Hein. C'est-à-dire que ils voyagent et ils me laissent message. Hein? Je voyage, j'arrive. Ah ok. Je suis là. Sur le va suivre pour nous. Mais celui qui est le gardien d'ici là. Ah ok. J'ai compris. Travail bella que moi donné, moi je n'ai plus encore. Moi-même j'ai voyagé. Et quand ils voyagent, je vous donne l'information aussi également. C'est comme ça. Voilà. Mais quand ils voyagent là, sous le. Bon, il m'en va, je voyage, je te calme un peu. Tu vas où? Non, je vais en Angleterre. Je vais en Allemagne. Ah, Adama. Mais tes mamans ont déjà pied. Non, donc je peux me reposer un peu. Moi, je vais me reposer. Donc, maintenant, j'ai commencé à vous sévrer. Parce que là, il faut que je me repose. Quand j'ai dit, oui, c'est pas vrai. Voilà. Ils sont couchés à Sini, ma fille. Ils sont couchés en Belgique. Ils sont couchés dans les pays ici, en Espagne, à côté de moi ici. J'ai vu Nadine là-bas de l'autre côté. Elle est couchée là-bas aux États-Unis. Et puis, elle envoie les stories. Et quand je dis coucou, comment tu vas? Elle dit non, je suis là tranquille. Il dit, ah? Donc tu es tranquille. Quand tu partais, tu m'as dit que tu partais. Mais là, tu es tranquille maintenant. Donc tu manges pas les hamburgers. Tranquille là-bas, tranquille. Et moi, je suis là. Quand vous avez bien sûr, c'est comment ici? Ah bon? Ah ok. Vous partez vous bronzer. Et moi, j'ai laissé ma peau comme ça. Non, non, non. Moi, je m'en vais. Ah, bah, qui va se mettre ici? Je me déplace un peu, j'arrive. On va tous se déplacer maintenant, parce que moi je suis fatigué de subir vos arrières. Attends. Non mais ensuite même que tu fais une vidéo dans la voiture à cause de vous. Hein? Vous voyagez, ça m'a invité sur le. C'est comment on s'en va ensemble? On va au Maroc. On va aller se reposer ou on va en Tunisie. On va se reposer pendant une semaine puis on revient. On va aller faire manicure, pédicure, on va se masser là-bas. On va en Tunisie, on va se masser là-bas tranquillement. On fait les manicures, les pédicures. Non, non, non. Vous partez seul. C'est à moi, vous allez envoyer une photo. Kabara, Adjara, comment tu vois? Ça fait longtemps, hein, Adjara, comment tu vois? Ça fait longtemps. Hein. Il faut passer à moi parce que là, vous commencez à exagérer. Là. Vous voyagez, vous me laissez ici. Même mois de janvier, mois de juin. Vacances, juillet, août, là, tout ça, là, je suis là. Et ça ne vous dit rien. Coutu de moi, j'arrive à l'Italie là-bas tranquillement.
On va aller tranquillement à Bergamo, on va aller à Milano. Mettez-moi ma voiture bien fermée. Faut pas faire ça, hein. Faut passer au moins à moi. Vous m'invitez aussi également. Je viens là-bas tranquillement, il fait au moins une semaine. Je suis dans mon équipe éduquée, puis je dors tranquillement. Et puis je récupère. Bon, à demain, non? Voilà. Attends, je vais mettre ça là pour vous. À demain, les gars. Vous m'invitez aussi, il est parti. Non, c'est vrai, j'ai bien me reposer. Depuis le 19, le 23 décembre 2019, soit maintenant bientôt 3 ans, j'ai même pas un jour de vacances, même pas un jour de repos, rien. Rien. Tous les jours, je suis au front. Même un militaire a besoin de se reposer, même si je suis un commando. J'ai besoin de me reposer aussi également. J'ai besoin d'être, de me coucher et puis on va me faire aussi le massage. Parce qu'il y a les salles de massage là. On te masse aussi le dos. On te masse, n'est-ce pas, les mollets, tout, tout, tout. Parce que j'ai fait du sport, certes. Voilà, mais souvent, tu rentres dans... C'est-à-dire que tu quittes même Facebook. Tu as tes administrateurs qui sont sur Facebook, ils font les relais de publications, tout, 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 c'est important. Mais tu as besoin de quitter pendant même au moins 2 ou 3 jours. Ou bien tu fais au moins une semaine. Voilà. Moi, quand il fait seulement un jour, là, on pleure. On est sur le tiers où. Hein? Il fait seulement un jour, on dit tiers où. Mais attends. Moi, tu salarié sans salaire. Hein? Bon, on est ensemble. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup à vous. À demain. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.